Alors bonjour et bienvenue dans ce séminaire de formation dans lequel nous allons parler d'interopérabilité des systèmes hétérogènes, spécialement avec les web services. Je m'appelle Fistel Bani, je suis un ingénieur en conception des systèmes d'information et depuis plus de 7 ans, je suis consultant développeur et depuis peu data manager dans les secteurs des finances mais aussi de la santé où j'ai développé pas mal d'applications et surtout participer à des projets d'intégration d'envergure. Au programme de cette formation, nous allons voir premièrement c'est quoi un web service, parce qu'il y a quelquefois la confusion sur ce terme, et ensuite nous verrons comment ça marche avant de revenir sur des cas concrets d'utilisation, comment et quand les utiliser. C'est quoi un web service? Un peu d'histoire d'architecture logicielle. Tout commence avec des applications monolithiques. Les applications étaient alors conçues en un seul bloc et exécutées dans une seule machine. Il n'y avait pas assez de problèmes de performance, mais le seul problème dans ce type d'architecture, c'est la maintenabilité qui devenait assez compliquée. Alors, on a pensé à d'autres types d'architecture, notamment le premier à faire un grand succès, c'était l'architecture client-serveur, dans laquelle l'application était découpée en deux parties. La partie présentation pouvait s'exécuter sur une machine appelée machine cliente et le reste des traitements et de la persistance était réservé au serveur. Dans cette architecture, on peut avoir, comme présenté ici à l'écran, une machine cliente qui va exécuter une requête sur le serveur et c'est le serveur de faire le traitement et de retourner les données sollicitées par le client. Et chemin faisant, toujours dans le souci d'améliorer la maintenabilité et aussi dans l'optique de rendre plus flexible et adaptable des applications, d'autres architectures ont vu le jour, notamment le N-tiers, dont le format le plus connu est le 3/3. Dans ce genre d'architecture, l'application se découpe en composants qui sont répartis sur plusieurs ordinateurs. On a d'un côté le client, le serveur d'application où seront exécutés les traitements et le serveur de persistance où seront enregistrées les données. Donc, dans ce type d'architecture, généralement le client va dialoguer avec le serveur d'application qui analyse la requête, trouve les données nécessaires dans le serveur de persistance, agrège, formate et restitue à l'utilisateur le résultat attendu. Cela marchait bien, mais qu'arrive-t-il quand on doit développer une application avec des systèmes hétérogènes? Ici, quand on parle d'hétérogénéité, nous voyons des applications qui peuvent être écrites avec plusieurs langages et ça arrive très souvent. Et ça arrive très souvent en entreprise qu'on ait déjà un module opérationnel qui a été conçu dans un certain langage et qu'on veuille compléter des modules pour interagir avec ce système en utilisant d'autres langages de programmation. Les réflexions ont été menées dans ce sens et il y a eu 3 solutions qui ont pu faire leur preuve pendant un certain temps. Le DCE, Distributed Computing Environment, de l'Open Group, et le CORBA, le plus fameux je pense des 3, et l'implémentation qui a été un peu plus utilisée parmi les brokers. Ici, il s'agit d'une initiative de l'OMG. Une autre réponse a été proposée par Microsoft au travers du DCOM. Cette technologie relève de l'architecture par composants logiciels répartis dont les préoccupations essentielles sont la standardisation du mécanisme d'évocation des traitements distants, la transparence de la localisation des composants dans un système réparti. Nous voyons que ces outils ont pu faire leurs preuves, mais après, il y a eu quelques limites, notamment la complexité de mise en œuvre. Ce sont des systèmes assez complexes à mettre en œuvre et aussi le manque de standards. Quelquefois, dans l'implémentation, ces technologies utilisaient soit des formats ou encore des protocoles propriétaires. Et l'apport des web services par rapport à tout ça, c'est que les web services viennent apporter une souplesse dans la mise en œuvre, une plus grande simplicité en utilisant des protocoles et des formats ouverts. Avec les web services, on adopte des standards, notamment l'utilisation des formats de données ouverts, tels que je viens de le dire, XML en particulier, et d'un protocole de communication assez bien connu, le HTTP, pour faciliter l'intégration des systèmes hétérogènes. Finalement, c'est quoi un web service? D'abord, parlons de ce que n'est pas un web service. Il arrive que les gens s'embrouillent avec le terme web service en voyant d'un côté le terme service et encore web qui réfère au site web. Les deux termes juxtaposés ont fait à ce que certains pensent que les web services sont des services pourvus par des sites web. L'autre problème de compréhension est quelque peu technique, du fait qu'en recherchant sur le web, assez souvent on arrive en recherchant web service à tomber sur des résultats qui parlent de SOAP, alors que SOAP est un modèle d'architecture orienté service, mais qui n'est pas essentiellement mis en œuvre au travers des web services. D'ailleurs, on peut tout à fait mettre en œuvre le SOA sans toutefois utiliser de web service. Quant à répondre à la question qu'est-ce qu'un web service, nous pouvons simplement dire qu'il s'agit d'une technologie centrée sur la notion de relation de service entre applications, la formalisation de cette relation dans un contrat. En deux termes simples, elles permettent aux applications de dialoguer à travers le réseau indépendamment de leur plateforme d'exécution ou encore de langage utilisé. Les types de web services que l'on rencontre sont principalement le web service SOAP pour Simple Object Access Protocol, qui reste principalement utilisé dans les systèmes exposant des services métiers aux procédures assez complexes. Il y a également une autre catégorie de web services, les services REST, Representational State Transfer. Ce sont les web services qui sont un peu plus en vogue ces derniers temps, mais qui se prêtent le mieux pour des traitements assez légers. Et un autre type de web service qui a fait parler de lui, c'est le service oData basé sur du REST et promu par Microsoft.